Bonjour à tous, donc voici dans cette vidéo de quelques minutes ce que nous avons vu cette semaine-ci au cours. La semaine dernière, nous terminions le cours, le dernier cours de la semaine en parlant du CDV en français. Et cette semaine, on a parlé du CDV en latin. Le CDV en latin, c'est très particulier parce que quand un nom est CDV en latin, il doit changer sa terminaison. La place du mot n'a pas d'importance. En français, vous savez que la place du mot est importante. L'esclave avertit le maître ou le maître avertit l'esclave, c'est pas la même chose. En latin, c'est la terminaison du nom qui a de l'importance. Donc ça veut dire que les noms en latin changent leur terminaison. On dit qu'ils se déclinent et on appelle ça la déclinaison, le système des déclinaisons. Donc les noms changent leur terminaison. C'est un peu comme les verbes. Nous, on connaît ça en français dans beaucoup de langues que vous connaissez, hein, ou que vous apprenez. Les verbes se conjuguent. Il y a le système des conjugaisons. Il y a des groupes de conjugaisons. Et quand ils se conjuguent, ben, ils changent aussi leur terminaison, suivant la personne, je, tu, il, etc. Ou suivant le temps, le présent, l'imparfait, le futur. Donc les terminaisons sont différentes. Ça, c'est pour les verbes, et c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais pour les noms, on ne connaît pas ce système. En français, changer la terminaison des noms, à part pour certains noms comme un cheval, des chevaux, ben, il n'y a pas d'autre changement de terminaison qui se fait en dehors du singulier pluriel. Donc il faut bien comprendre ça. En latin, le nom change de terminaison quand il change de fonction dans la phrase. Un nom qui est sujet, comme ici à l'écran, vous voyez servus, daus, dominus, ce sont les sujets, ben, vous voyez leur terminaison c'est us. Un nom qui est CDV, servum, le maître avertit l'esclave, c'est ça que signifie cette phrase en bas, hein, servum. Donc ça n'est plus servus, c'est servum, parce que le mot esclave dans cette phrase, il est CDV, complément direct du verbe. Qui est-ce que le maître avertit? L'esclave. C'est le CDV. Vous voyez que on peut avoir aussi servus ici, en haut là, pour l'attribut du sujet. Donc, Davus est un esclave, mais l'attribut du sujet se met comme le sujet avec un us. Et ce cas, on l'appelle le nominatif. Le cas, en fait, c'est la forme que prend un nom quand on le décline. Il y a plusieurs cas, mais pour le moment, on en apprend deux, le nominatif qui est le cas du sujet ou de l'attribut, et l'accusatif qui est le cas du CDV. Alors pour apprendre tout ça, on va utiliser un texte qui se trouve à la page 59, qu'on va traduire et dans lequel il y a beaucoup de CDV et beaucoup d'accusatifs. Et quand on aura découvert tous ces accusatifs, on les mettra dans un tableau récapitulatif que je vais vous montrer. Il est ici, le tableau récapitulatif, page 56. Voilà. Alors, c'est un tableau que vous connaissez déjà. Bon, vous voyez que je l'ai un peu trafiqué, ce tableau. J'ai caché certaines terminaisons, hein, parce qu'on va les découvrir ensemble. Donc, je disais. Donc ces groupes, ces noms, on les connaît déjà parce qu'on en a parlé avant Noël, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, on a appris grâce à des images en fait qu'il y avait trois groupes de noms. Et dans chaque groupe, parfois, il y a des sous-groupes. Et donc, pour chaque groupe, on avait une image et des noms. Alors, essayez de vous souvenir. Première déclinaison, c'était une image qui représentait la maîtresse et l'esclave. La maîtresse et la servante. Domina, servois. Ce sont des noms en A, ils sont féminins, on en connaît d'autres, aqua par exemple. Un nouveau mot, pila, qu'on va rencontrer dans le texte tout à l'heure, ça veut dire la balle. Donc ces noms en A sont des noms du premier groupe, de la première déclinaison, et ces noms sont féminins. Comme modèle, le livre a choisi Rosa la rose. C'est assez facile, hein. Dans le deuxième groupe, il y avait deux images. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un esclave et son maître. Et puis, il y avait des bâtiments, des monuments, des temples. L'esclave et le maître, ben, ce n'est pas difficile, hein, on vient d'en parler là, c'est Dominus et Servus.
Donc, ce sont des noms en ous de la deuxième déclinaison, ils sont masculins. Le modèle, c'est animus, ça veut dire l'esprit. Pour les noms neutres, parce qu'il y a des noms neutres aussi dans cette deuxième déclinaison, dans ce groupe, c'est l'image qui représente les monuments, hein, monumentum, templum, sur la place publique, forum. Donc, tout ça, ce sont des noms en oum et ils sont neutres. Et enfin, pour le groupe suivant, pour la troisième déclinaison, vous aviez trois images. Alors, celle dont vous vous souvenez certainement, c'est celle des neutres. C'est une tête qui dépasse de l'eau, donc qui dépasse d'un fleuve. C'est caput et flumen. Ce sont des noms neutres, comme corpus, qui est utilisé ici comme modèle. Et enfin, il y avait aussi des noms masculins et des noms féminins. Les noms masculins, c'était Pater et senex, le père et le vieillard. Les noms féminins, c'était Mater et nox, la mère et la nuit. Et le modèle, c'est lux, la lumière. Ces mots qui se terminent par x, c'est pas une règle, hein. C'est un peu un hasard que les trois mots se terminent par x, senex, nox et lux. Il n'y a pas forcément un X à la fin. En fait, il n'y a pas de terminaison. Si vous regardez bien le tableau, hein, partout où il y a un radical, un tiret, une terminaison, partout, sauf là, parce qu'il n'y a pas de terminaison là. Alors, on avait vu en même temps qu'on voyait ces mots, quel était leur pluriel. Je vais redécouvrir les pluriels. Donc, le pluriel de animus, c'est animi. Hein, c'est à comparer avec le pluriel des mots italiens comme spaghetti, confetti, etc. Hein. Donc ce sont des mots masculins au pluriel, donc leur terminaison est i. Les noms féminins au pluriel, leur terminaison est ai, faut le retenir. Et les noms de la troisième déclinaison, leur terminaison est s, comme en français un s, sauf que là il faut mettre es. Donc vous mettez es. Je fais une petite pause. Voilà, je continue avec les neutres. Donc souvenez-vous, on avait vu avant Noël, je vous avais dit hein, que c'est comme à la météo, un maximum des maxima, un minimum des minima. Donc les noms neutres, leur pluriel, se termine par a. Donc on ne tient plus compte des autres terminaisons du pluriel. C'est d'office a quand le nom est neutre. Donc bella et corpora. Alors, dans l'exemple dont je viens de parler là, juste avant, le maître avertit l'esclave, on avait vu que l'accusatif de esclave, c'est servum. Donc ça veut dire que ici l'accusatif de animus, ben, ça va être animum. Alors pour découvrir les autres accusatifs, on va partir d'un texte qui se trouve en bas de la page 59. Donc si vous voulez bien prendre la page 59. C'est un texte nouveau hein, que vous ne connaissez pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir d'abord les mots qu'on ne connaît pas ou dont on ne se souvient pas. Et donc, pour ça, je ne vais rien noter. Je vais aller assez lentement. Donc, au fur et à mesure, s'il vous plaît, au fur et à mesure, vous noterez la signification des mots inconnus. Et je vais vous les dire, hein, en classe, en fait, les élèves m'ont dit, voilà, celui-là on ne connaît pas, celui-là on ne connaît pas, mais moi je vais vous les dire d'office, et je vais chaque fois mettre un point en dessous. Ça veut dire que vous devez noter la traduction en dessous. Alors, dans la première phrase, il y a le mot amici que peut-être vous avez oublié, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup parmi vous qui reconnaissent ce mot. C'est le mot ami au pluriel. Donc, notez-le quand même. Hein, pour être sûr d'avoir suffisamment d'informations pour traduire le texte. Donc, amici, c'est ami au pluriel. Le mot via, ici, qui est un petit peu coincé là, ça veut dire la rue. On peut dire aussi la route ou le chemin, mais écrivez rue. Ibi, normand, vous connaissez. On l'a revu il n'y a pas tellement longtemps. Donc, cherchez dans votre manuel. On l'avait une fois écrit dans un coin d'une page. Donc, cherchez dans votre manuel. Multaï. C'est comme multi qu'on connaît déjà, mais bon, c'est quand même intéressant de renoter que ça veut dire beaucoup de. Si je vais trop vite, vous mettez pause, hein, vous mettez la vidéo en pause, hein. Mercator, c'est le marchand. Vendit, c'est un verbe.
Rien qu'en le voyant, on devine plus ou moins ce que ça veut dire, parce que si vous remplacez le U par un V, ben vous avez vendi. Ça correspond en français au verbe vendre, hein, donc c'est bien le verbe vendre. Farinam, c'est facile aussi, c'est comme en français, hein, c'est la farine. Barbas, facile aussi, c'est la barbe, comme en français. N'oubliez pas que le koué, c'est comme un et, mais qu'on met devant le mot. Hein, donc kapilos, barbas, koué, c'est kapilos, et barbas. Et le verbe ici, tondet, tondere, ça veut dire tondre, ou raser, ou éventuellement couper. Donc voilà pour les premiers mots. Continue. Pilam, ben, pas besoin de le noter puisqu'il est là tout au-dessus. Pila, la balle. Pilam, c'est la même chose, c'est la balle. Qu'est-ce qu'on peut encore voir comme nouveau mot? Eo, ipso, tempore, ben, c'est déjà traduit. Les trois mots sont traduits, ça veut dire au même moment. Tonsor, on l'a vu. Barbam, on l'a vu. Tondet, on l'a vu. C'est au-dessus, hein. Tonsorem, on l'a vu. Monent, vous connaissez bien ce verbe. On l'utilise souvent dans les exemples. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Ewitare. Ça, c'est un verbe à l'infinitif. Bon, c'est pas difficile non plus de deviner ce que ça veut dire. Si vous remplacez le U par un V, ça donne Evitare, éviter en français. Donc, c'est éviter. Noniam, on l'a vu il n'y a pas longtemps. C'est une négation, mais une négation avec une petite nuance. C'est pas ne pas. Ne pas, c'est simplement non. Avec le yam en plus, c'est ne plus. Ne plus. Potest, c'est un verbe que vous connaissez. Hein, c'est un verbe avec est et puis devant pot. Hein, c'est comme ça qu'est fabriqué le verbe pouvoir. Manum, c'est nouveau. Ça veut dire la main. Et voilà, comme ça, vous avez tout le texte. Tous les mots de vocabulaire, je veux dire, pour tout le texte. Donc, j'espère que vous avez bien tout noté, vérifié que tous les points rouges donnent lieu, donc doivent donner lieu à une traduction dans votre livre. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de traduire naturellement, d'essayer par vous-même de traduire les phrases. Ne sont pas tellement difficiles. En classe, ça s'est bien passé, sauf pour certains passages. Donc, à partir de maintenant, donc vous faites une pause et vous essayez de traduire la première phrase, et puis vous écoutez la bonne réponse, et ainsi de suite avec la deuxième phrase, puis la troisième, jusqu'à la sixième. Et puis après, on fera un relevé des accusatifs. Alors, je donne les réponses, donc mettez pause hein, si vous voulez vous exercer. Première phrase, Marcus et ses amis jouent à la balle dans une rue très fréquentée. Donc, vous voyez comment les mots sont agencés en latin, hein. Le sujet, c'est souvent au début, le verbe souvent à la fin, et les compléments entre les deux. Donc, vous devez avoir ce réflexe-là quand vous traduisez une phrase latine. En principe, c'est pas toujours comme ça, mais vous regardez les premiers mots parce que souvent c'est le sujet, vous allez chercher le verbe à la fin, et puis vous mettez les compléments entre les deux. Phrase 2. Là, beaucoup de boutiques sont, on pourrait traduire comme ça, mais c'est mieux quand même en. Pour avoir une formule en bon français, de dire là, il y a beaucoup de boutiques. Alors, les boutiques sont décrites. Le marchand vend des toges. Le boulanger moud la farine. Le barbier rase les cheveux et les barbes. Phrase 3. Quand Marcus renvoie la balle, il cogne son pied. Attention ici, on est obligé de traduire il cogne son pied. C'est pas son pied cogne ou il se cogne, c'est bien il cogne son pied. Et la balle s'envole trop loin. Phrase 4. Au même moment, le barbier rase la barbe d'un esclave. Relativement facile. On continue. Les enfants avertissent le barbier, mais le barbier n'est pas attentif et il ne peut plus, hein, non iam potest, il ne peut plus éviter la balle parce qu'il est trop tard. Phrase 6. La balle touche la main du barbier. Épouvanté. Le barbier tranche la gorge de l'esclave.
Donc en fait, il a tué l'esclave sans le vouloir. Hein. Et ce texte, cette histoire, elle est racontée en fait dans un livre sur la justice, les tribunaux, le droit, parce que voilà, c'est une question un peu épineuse au niveau judiciaire. Qui est coupable, qui n'est pas coupable dans l'affaire? Alors, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, vous ne devez pas noter la traduction, hein, vous devez la retenir. Il n'y a pas la place pour noter la traduction. Vous voyez dans votre livre, il n'y a vraiment pas la place pour la noter. Donc, ce que vous devez faire, c'est la retenir. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez, hein, c'est réécouter la traduction pour essayer de bien l'intégrer dans votre tête. Et alors, à partir de maintenant, on va repérer tous les accusatifs, c'est-à-dire plutôt tous les CDV. Donc, on part de la traduction qu'on connaît, hein, et on cherche les CDV. Alors, il y en a quand même relativement beaucoup. Qu'est-ce que le marchand vend? Il vend des toges. Toges, togas, c'est CDV. Qu'est-ce que le boulanger moue? Il moue la farine, CDV. Qu'est-ce que le barbier rase? Les cheveux, c'est CDV. La barbe, c'est CDV. Qu'est-ce que Marcus renvoie? La balle, c'est CDV. Qu'est-ce que Marcus cogne? Son pied, c'est CDV. Donc, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que le barbier rase? La barbe, encore une fois, CDV, c'est normal, hein. Qui est-ce que les enfants avertissent? Le barbier. Qu'est-ce que le barbier ne peut pas éviter? La balle, encore une fois, un CDV. Qu'est-ce que la balle touche? La main, un CDV. Et qu'est-ce que le barbier tranche? La gorge, encore un CDV. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et les terminaisons sont différentes. Hein. Vous avez des terminaisons en am, en em, en oum, en os, en as. Donc ces terminaisons sont toutes des terminaisons d'accusatif. Et on va maintenant les placer dans le tableau. Alors ce tableau, pas besoin d'aller le regarder dans votre manuel parce qu'il est déjà complet. Hein. Regardez plutôt l'écran ici, s'il vous plaît. Donc regardez bien dans le tableau. On a découvert donc farinam. C'est quelle déclinaison? Ben, c'est assez logique, hein, si on réfléchit un peu. C'est une déclinaison où il y a un a. Donc farinam, c'est pour Rossa, Rossa, Rossam. Togas et Barbas. Eh bien, c'est aussi pour des noms en A. Donc ici, on a un As pour Rosa. Donc voilà les quatre formes qu'il faut connaître maintenant pour Rosa. Le pluriel de animum, donc l'accusatif pluriel, ben, on l'a dans capilos, c'est animos. Pour les neutres, je vous expliquerai après. L'accusatif singulier de lux, c'est le même que celui de tonsor. Hein, tonsor, tonsorem, lux, lucem. Alors pourquoi c'est pas luxem? Ben, il faut le retenir, c'est comme ça, c'est lux, lucem. Donc vous retenez ça. Le pluriel, on ne l'a pas rencontré, mais je vous le dis, et c'est assez facile, c'est le même que le nominatif, donc luces. Pour les neutres, il faut retenir que l'accusatif des neutres, c'est vraiment l'accusatif le plus facile, parce qu'en fait, c'est le même que le nominatif. Donc l'accusatif de bellum, c'est bellum, l'accusatif de bella, c'est bella, l'accusatif de corpus, c'est corpus, et l'accusatif de corpora, c'est corpora. Voilà donc tout ce qu'on a vu pendant les 2 heures de cours de cette semaine-ci. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez quand vous revenez. Mais je pense que si vous suivez bien la vidéo, ben, vous n'aurez pas de problème pour être à jour dès la semaine prochaine. À bientôt, je termine l'enregistrement ici.